Bonjour à tous. Alors, demain, c'est l'anniversaire de ma fille Tia, qui va avoir 12 ans. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit gâteau ensemble. Et puis voilà, ça lui fera plaisir. Donc, Ulysse va m'aider, j'ai mon assistant. Vous embêtez pas pour la recette, je la mettrai sur le padlet. Vous n'êtes pas obligé de noter. Donc, nous allons faire un gâteau au chocolat. Chocolat. Alors, j'aurai besoin de... Du sucre. Sucre. De farine. De farine. De œufs. Des œufs. 4. 4 œufs. Et de beurre. Du beurre. De chocolat. De levure. De... Sucre vanillé. Ah! Alors, on commence par... Pendant que Ulysse va me couper les petits morceaux de chocolat et les mettre... J'ai de la chance. ...dans le bol. Maman va... Moi, je m'occupe de la... Maman, il fait fissurer le chocolat. C'est pas grave, puisqu'on va le couper. Ouais, mais fissurer comme ça, hein. C'est pas grave. Il est dur. Alors. Ah, ouais. Oh, j'ai de la force. Chut, et la farine, je mets 125 grammes. On est trop mis. Cotonni. Voilà. Le sucre. 150 grammes. Attends, je t'ai dit. Voilà. Bon, Ulysse abandonne. Tu me déchires ces petits sachets, tu les mets dedans. Je coupe le chocolat. Dans le bol ? Oui, tu mets dans le bol. Tout ? Tout. Je crois que je vais manger ce sucre. On met le sucre vanillé. Voilà. Et je vais mettre la levure à présent. Et on met la levure à présent, exactement. Ça, je vais le faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez aussi le faire au bain-marie. En rajoutant un petit peu d'eau. À peu près 1 minute 30 au micro-ondes. Voilà, ça dépend de votre micro-ondes. Il y a un petit souci là. Je crois que j'avais... Ah, voilà. Oh, la levure, je vais la manger aussi, je crois. Oh. Hop. Parfait. Pendant que notre chocolat est en train de fondre, nous allons mettre les œufs. Je peux les faire, je peux craquer. Allez, vas-y, craque. Un œuf. Ouh, les. Voilà. Je préfère te laisser faire. Je ne vais pas avoir les doigts pleins d'œufs. Deux. Trois. Tu me laisses faire le dernier, hein. Bah, trop tard. Quatre. Oh. On va demander avant. Non. Laisse ça. Non, c'est bon. Ok. Ensuite, on va commencer à mélanger. Allez, vas-y, Ulysse. Oh, j'adore touiller. Ça fait de la bouillie. Oh. On ne devait pas séparer le jaune et le blanc. Non, pas pour celle-là. C'est tout petit. C'est toi le chat. Ouais. Oh. C'est de la boue visqueuse, ça devient de plus en plus dur. Oh. Ah bien. Mon chocolat est prêt. Oh,
Oh, je peux le faire fondre. Eh, c'est bon là. C'est de la bouillie. Dans le chocolat qui est fondu, je mets du beurre. Mon beurre. Je mélange tout ensemble. Voilà. Et je garde un petit morceau de beurre qui viendra pour ça. Beurrer le moule. Je peux le faire. Tu veux faire quoi? Ça. Ça. Alors attention, c'est chaud. Ouf. Mélange le beurre et le chocolat. Donc là, on a mis 125 g de beurre dans le chocolat et on mélange tout ensemble. Wow. Ma technique, c'est de d'abord mettre du chocolat sur le beurre et ensuite de mélanger le tout. C'est pas facile. Vous devez en prendre beaucoup, beaucoup. Très beaucoup. Voilà, comme ça, c'est bon. Ouh, là, c'est bon. Et hop là. Oui, vas-y. Moi aussi. Toi aussi quoi? Moi aussi. Ça doit être bon. Moi aussi. Alors, j'ai toujours pas fini. On mélange encore le chocolat et le beurre pour que ce soit tout bien fondu, que le beurre est bien fondu dans le chocolat chaud. Donc, bon, Basile. Pourquoi il fait pas la sieste? Ouais, bonne question. Pourquoi il fait pas la sieste? Alors, pendant ce temps, je vais, avec un essuie-tout sopalin, beurrer le moule. Ah, j'ai beurré. Avec du bis. Moi aussi. Beurrer, j'adore le beurre. Ouh, ça glisse. C'est une patinoire. Attention, c'est chaud. Tu peux pas tenir le bol. Tu veux tout, c'est une patinoire. Ouh. Et moi. Non, c'est bon, c'est bon. C'est moi. Ah. Ok. Oh. Miam, miam, je vais manger ce beurre. Vas-y, tu mets pas du chocolat partout, s'il te plaît. Voilà, quand on a bien beurré, mon petit secret, le sucre glace. Le sucre glace. Si vous en avez pas, c'est pas grave, du sucre normal, ça le fait. Et ça, pour que le gâteau ne colle pas au fond du moule, je mets du sucre glace. Okay, je tapote pour qu'il y en ait partout. Et ça va créer une petite croûte croustillante sur le gâteau. C'est très très bon. C'est bon le gâteau. Oui, c'est bon le gâteau. Miam. C'était peut-être. Voilà. J'ai laissé dedans. Donc, on finit de mélanger et on va mettre dans notre préparation farine, sucre, levure, sucre vanillé et œuf. On va venir verser le chocolat mélangé au beurre. Oh! Et la levure, ça fait monter le gâteau. Tout à fait. Allez, je peux touiller. Alors, on va mélanger tout ça. Vas-y, Lys. Oui, tu le feras après. Bon. Wow, ça devient marron comme du chocolat. Oh, ça fait un trou noir. Un trou marron plutôt. Allez, un petit peu, vas-y. Voilà.
Donc, si on n'est pas pressé, on peut laisser faire Basile, sinon on aide un peu. Non, oui, non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Alors, tu me laisses terminer pour que je fasse bien le front, bien rapide. Maman, c'est une voiture de course. Et ensuite, je prends le moule. Oh oui, je veux faire ça. Oui. Quoi? Je veux faire ça. Oui, je veux. Je peux faire. Et je vais verser tout ça dans le moule. Notre préparation. Tiens, Ulysse, prends le fouet et tu grattes ce qui reste pour que ça tombe tout. Tout. Ça devient de plus en plus gris comme du métal. Non, alors attention, je ne veux pas de chocolat sur l'ordinateur. Et bien. Et bien. Une douille. On va touiller? Non, on ne touille pas une fois que c'est dans le moule, ça sert à rien. Voilà. Hop. Après, je tapote le gâteau sur une table. Ça permet qu'il n'y ait pas trop de bulles à l'intérieur. Le gâteau, je vais le mettre au four à 170 degrés. Les enfants, vous ne touchez pas le four, c'est vos parents qui font. 170 degrés pendant 25 minutes. Ok, pendant ce temps-là, je vais jouer au Lego. Et puis, on voit le résultat tout à l'heure. D'accord. A plus. Coucou, nous revoilou. On a réussi à coucher Basile. Youhouhou. Alors, voilà le résultat. Gâteau. Choco. Oui. Oh, j'ai envie de le manger, ce gâteau. Pour vérifier votre cuisson, parce que ça dépend du four, on plante un petit couteau. Hop. Si la lame ressort propre, ce qui est le cas, c'est que le gâteau est cuit. Je prends une grande assiette ronde. Hop. Que je pose sur le moule. Et je retourne. Olé. Je tapote. Instant de vérité. Ta-da. Ta-da. Alors le blanc que vous voyez là, c'est que j'avais mis un peu trop de sucre, donc c'est un petit peu de sucre glace. Et voyez, le sucre glace a fait une petite croûte qui brille. Très 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 bon. Alors après, vous pouvez, si vous avez envie, décorer avec des petits bonbons, des petits vermicelles, ce que vous voulez. D'ailleurs, on va mettre des vermicelles. On va faire ça après. Ben voilà, bon appétit, bon goûter, régalez-vous. À bientôt.